Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football, la Coupe du Monde féminine continue et on va parler du match qui a débuté cette magnifique après-midi de dimanche avec Australie-Italie, victoire de l'Italie 2-1, but de Kerr pour l'Australie à la 22e minute sur penalty. Puis ensuite, doublé de Bonansea à la 55e et 95e minute. Victoire qui s'est jouée donc dans les arrêts de jeu. Pourtant, l'Australie était plutôt bien dans le match. Alors, c'est bizarre parce que l'Italie débute bien cette rencontre avec une Australie qui perdait pas mal de ballons en début de match. Mais il marque un petit peu contre le cours du jeu à la 22e minute sur ce penalty. Penalty qui est totalement justifié, hein. La joueuse Kerr est totalement ceinturée par la défenseur italienne. Et puis ensuite, l'Australie semble maîtriser le match, semble un peu au-dessus. Et puis en deuxième mi-temps, là on ne sait pas ce qui s'est passé, l'Australie joue un peu trop facilement. Et Bonansea égalise à la 55e minute et puis ensuite but à la 95e minute. Avec le deuxième but de Bonansea. Donc c'est bizarre du côté de l'Australie. Bonne première mi-temps et très mauvaise deuxième mi-temps. L'Italie qui s'est bien remis dans le cours du jeu en deuxième mi-temps. Alors qu'en fin de première mi-temps, on les sentait peut-être un petit peu en difficulté. Les top et flop, on commence avec l'Australie. Ce que j'ai aimé du côté de l'Australie, c'était la vitesse dans le jeu, surtout en fin de première mi-temps. Il y avait énormément de vitesse à aller vite, surtout côté droit, avec Carpenter et Razo. Carpenter, l'arrière droit, qui était peut-être même un peu trop régulièrement, mais ça allait très très vite de ce côté-là. Beaucoup de vitesse dans le jeu, de la justesse technique aussi, la vitesse de jeu. Pendant tout le match a été plutôt intéressante du côté des Australiens, enfin pendant une grande partie du match, même en tout début de rencontre il y avait beaucoup de vitesse, après des fois il y avait du déchet technique, mais ça allait vite et ça c'est intéressant parce que vu le groupe dans lequel elles sont avec le Brésil et la Jamaïque, je pense que ça va les aider. Ce que j'ai aimé aussi c'est leur maîtrise en fin de première mi-temps qui va aussi un petit peu avec la vitesse de jeu. Quand les Italiennes ont baissé de rythme, on sentait véritablement une maîtrise qu'elles jouaient à leurs mains, mais qu'elles arrivaient vraiment à produire le jeu qu'elles souhaitaient faire. En fin de première mi-temps, il y avait une vraie maîtrise technique. On n'avait plus les déchets, il n'y avait plus de perte de balles. C'était vraiment une domination de l'Australie à partir, on va dire, de la 30e minute jusqu'à la 45e. Et là, on avait vraiment une équipe qui était très bien à ce moment-là. C'est dommage que ça n'ait pas continué en deuxième mi-temps. Ce que j'ai pas aimé, l'excès de confiance. L'excès de confiance en deuxième mi-temps surtout, mais un excès de confiance alors qu'elle ne menait qu'un 0. On sentait que c'est bon en tout début de deuxième mi-temps, allez, le match était bouclé, bon bah c'est bon, on peut jouer à notre main, on peut jouer tranquillement, baisser un petit peu de rythme, de toute façon les Italiennes ne reviendront pas dans le match. Elles ont laissé les Italiennes revenir dans le match, ce qui est terrible de faire ce genre de choses. Trop d'excès de confiance. Et voilà, et vous remettez votre adversaire dans le jeu, dans de très bonnes conditions, alors que les Italiennes, en fin de première mi-temps, on sentait qu'elles étaient vraiment à deux doigts de craquer. Ça, c'est dommage, parce qu'un match de Coupe du Monde, ça ne se lâche pas comme ça. Et quand vous êtes face à un adversaire en Coupe du Monde, c'est qu'il a déjà réussi à se qualifier. Donc, c'est déjà une bonne équipe. Donc, il ne faut pas le prendre de haut, véritablement. J'ai eu cette impression-là avec l'Australie. La deuxième mi-temps. Avec cette confiance, ça va un petit peu ensemble, trop d'excès de confiance en deuxième mi-temps, ce qui fait que le jeu en deuxième mi-temps a été, je trouve, de très mauvaise qualité du côté de l'Australie. Il n'y avait pas de rythme, la justesse technique avait disparu, même un peu la vitesse à certains moments, on n'avait plus de vitesse dans le jeu, beaucoup de pertes de balles, totalement bête. Et ça, je trouve qu'il va falloir vraiment regarder cette deuxième mi-temps pour l'analyser du côté du staff technique de l'Australie. Et montrer aux joueuses que voilà, si vous faites ce genre de choses face au Brésil, eh ben vous êtes mort. Même face à la Jamaïque, parce que je viens de voir la Jamaïque jouer et c'est plutôt un très très bon niveau. La défense surtout sur les actions en profondeur. L'Italie l'a compris en deuxième mi-temps.
dès qu'il y avait un petit peu de profondeur, un petit peu de vitesse, dès que les Italiennes essayaient de percer avec des balles en profondeur, avec des longs ballons comme ça, la défense, et bien souvent les Australiennes, la charnière australienne était en grande difficulté dans ce genre de situation, ce qui a provoqué la première action de but, même le but refusé est sur cette action là également, et beaucoup d'actions dangereuses de l'Italie sont sur des ballons en profondeur. Et ça c'est quand même bien dommage de se rater de cette manière, souvent à cause de Carpenter également qui n'était pas sur la même ligne que ses homologues, donc ça provoquait une ligne de défense qui n'était pas vraiment imperméable. Dans ce genre de cas, eh bien voilà, vous vous retrouvez en grande difficulté, mais en profondeur, les balles en profondeur ont énormément gêné l'Australie, beaucoup trop gêné les Australiennes. Du côté de l'Italie, moi ce que j'ai aimé, ce sont les contres qui sont allés à une vitesse ahurissante pendant tout le match. Ça allait extrêmement vite du côté des contres. Avec Bonansea qui a fait un bon match, mais même le milieu de terrain, les transitions attaque-défense allaient très très vite. Et quand vous n'êtes pas forcément favorite, et ben ça vous aide dans ce type de match. Et bien là, ça aide l'Italie, bien entendu, à mettre l'équipe d'Australie en difficulté, qui avait du mal de toute façon avec la profondeur, mais dès qu'il y avait un petit peu de vitesse du côté de l'Italie en face au niveau de la défense. Eh bien, l'Italie l'a compris assez vite et l'a très très bien utilisé. Les ailes également, ça va ensemble avec les contres. Les ailes ont fait un très très bon match. C'est souvent de ces zones-là que sont venus le danger en deuxième mi-temps. Il y a eu quelques balles en profondeur, mais souvent c'était hors jeu. Les occasions les plus dangereuses, le but vient d'une action sur l'aile. Et les actions les plus dangereuses sont venues de l'aile. Il y a beaucoup de fautes commises par les Australiennes qui sont dans ces zones-là. L'Italie les a mises en difficulté, les Australiennes, sur ce type d'action. Et ça, bah, ça montre qu'il faudra utiliser ça, peut-être face à la Jamaïque. Ça sera, je pense, plus complexe du côté du Brésil, qui me semble bien armé de ce côté-là pour contrer ce type de velléité offensive. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'Italie, les hors-jeux. Et oui, parce qu'elles auraient pu prendre l'avantage beaucoup plus tôt dans cette rencontre que la 95e minute. Elles ont eu beaucoup d'actions offensives, mais beaucoup trop de hors-jeu. 8 dans le match. Elles n'ont jamais réussi à comprendre un petit peu le placement de la défense australienne, souvent. Et c'est bien dommage, parce que 8 hors-jeu, ça veut dire 8 occasions qui, si on avait été un peu plus intelligent en faisant un contre-appel ou en re-rentrant dans une zone autorisée, eh bien, aurait permis peut-être d'aller au but et de ne pas marquer le deuxième but à la 95e minute, mais de le marquer à la 70e et de se procurer une occasion pour en marquer un troisième. Et l'average goal pourrait être déterminant pour l'Italie. Par exemple, si l'Italie finissait troisième du groupe, pour déterminer qui est le meilleur troisième, ça jouera au point, mais également certainement à l'average goal. Et voilà, elles auraient pu en marquer un troisième dans ce match, j'en suis sûr. L'énervement aussi à certains moments dans le match. En fin de première mi-temps, on a senti que certaines Italiennes sortaient de leur match en s'énervant un peu trop, en ayant des gestes d'humeur. Ça, il ne faudra pas faire ça face au Brésil ou face à la Jamaïque si le match est très serré. Il faudra être calme mentalement, essayer de conserver de l'intelligence dans les actions. Et là, c'est dommage ce qu'elles ont fait parfois les Italiennes au niveau de s'énerver bêtement alors qu'il y avait mieux à faire. Brouillon également du côté de l'équipe italienne. C'était un peu trop brouillon souvent, et ça, c'est bien dommage également. On attend un peu plus de clarté, que ça soit offensivement mais également défensivement. Des fois, on sentait que les Italiennes ne savaient pas trop ce qu'elles voulaient faire. Là aussi, face au Brésil, il ne faudra pas faire ce type d'erreur, parce que ça ne passera pas du tout, même si le Brésil n'est pas exempt de défauts. On va aller assez vite pour la meilleure joueuse du match. Alors, j'ai hésité avec Carpenter, mais je trouve que Carpenter, pour un arrière-droite, a eu trop d'errance défensive. Donc pour moi, la joueuse du match, eh ben c'est celle qui a réalisé le doublé pour l'Italie, c'est Bonansea. Déjà marqué les deux buts.
Donc forcément, c'est un avantage. Et puis, elle a réalisé une belle rencontre, je trouve. On l'a souvent vue. Certes, elle était parfois en position de hors-jeu, ce qui est dommage. Mais elle a plutôt réalisé une bonne rencontre, l'italienne. On espère qu'elle rééditera cela face à la Jamaïque, par exemple. La déception pour moi du match, c'est Kerr, l'Australienne. Bah là, à l'inverse, on l'a trop peu vue, à part le pénalty. Je peux pas vous dire une action intéressante de Kerr. Quand on l'a vu, c'est souvent qu'elle était hors-jeu. Sinon, on l'a peu vu, ce qui est bien dommage et ce qui aurait permis peut-être de marquer un but en fin de première mi-temps. Sauf qu'en fin de première mi-temps, eh bien, on ne la voit pas du tout. Elle est inexistante, elle n'arrive pas à faire des appels dans le bon timing. C'est dommage pour une joueuse qui, normalement, doit être la star de cette équipe au niveau offensif, parce que c'est quand même une joueuse qui a fait partie de la liste des 15 pour le Ballon d'Or féminin, remportée par Ada Heiberg. Donc, il faudra faire beaucoup mieux pour Kerr sur le prochain match, surtout que ça sera pas facile, et surtout que l'Australie, là, débute mal la compétition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et donc nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour de nouvelles aventures foot féminin. On parlera du match, par exemple, du Brésil face à la Jamaïque. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.